Et bonjour à toutes et à tous, ici Cosphilos. Donc on se retrouve sur Dino Crisis 2. Et en fait j'ai perdu beaucoup de temps par rapport au dernier épisode vu que je recherchais la carte de pour ben, la clé du centre de recherche sauf que je l'avais sur moi. Donc en gros j'ai fait un gros détour pour rien. Hop, le temps de me rappeler rapidement des commandes. Voilà, c'est ce qu'il cherchait. Ah, il m'attaque de dos. En plus, là, je sens qu'il y en a un des deux. Ah, les deux là sont morts. Je suis good. Couché, on a dit. Toi aussi, c'est good. Moi, je suis sûr qu'il est couché. Et donc là, on va pouvoir utiliser la carte pour le centre de recherche. Et c'est good. Voilà. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Ouais. Oh purée. Je me rappelle ce que ça va être. Si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ouais. C'est pas il me semble, c'est même sûr que c'est ça. Rien d'intéressant. Ah. Je m'excuse, je reviens. Et re... donc. Ils sont ici, mieux vaut ne pas les déranger. Ouais, tu m'étonnes. On va éviter par... Oh. Dans ce moment, nous disposons d'un petit peu d'équipement clair. Manque de matériel. La semaine dernière, une minute, non, Wolf et son équipe de transport. Cache complexe, lui. Nous devons nous rendre au silo lance-missile de l'autre côté du pont suspendu. Ce dernier a été détruit lors d'un précédent combat. La seule solution serait de traverser. Mais c'est bien trop dangereux. Ouais. D'accord. Donc ouais, il va falloir au bout d'un moment que je me prenne le... Là. Wait. Wait. Witchers. Ah, je sais, Black White. Hop, ça c'est fait. Pourquoi? Parce que si je me rappelle bien, qui a rappelé à pas de poil. Là. Ouh, la cache. Voilà. J'ai plutôt une bonne mémoire, ce qui est plutôt génial. Et normalement, je vais avoir à faire un petit chieur, j'ai envie de dire. Le compi. Plusieurs hommes ont récemment fait l'état de disparition d'objets. Des petits miroirs et des montres. Que ce serait l'œuvre d'un petit dinosaure répondant au nom étrange de compi ou quelque chose comme ça. Les corons et d'autres oiseaux ramassaient les objets brillants. Ils auraient alors un point commun avec les compis car quand on y pense, les objets disparus étaient tous brillants. Les compis sont peut-être les ancêtres des corbeaux. Jusqu'ici, nous n'en avons capturé aucun. Ils sont trop agiles et trop rapides.
Et enfin, ils ont réussi à capturer un conflit dans une cage de laboratoire. La gourmande d'Alan nous a servi d'appât pour l'attirer à l'intérieur. Il ne devait y avoir aucune faille car le moindre trou lui aurait permis de s'échapper. Nanana. Tout faire pour protéger le complexe contre les dinosaures. Voilà, donc c'est des petits dinos qui s'amusent à chourer tout, mais vraiment tout, ce qu'ils peuvent récupérer. Ouais, non, nouveau, c'est bon. Alors là, ça par contre, on remplit en Vex. Tac-tac. Le lance-flamme aussi. Si. Est-ce que j'ai assez pour me prendre... Non, il me faut 20 000. Il me faut 40 000. Une petite sauvegarde. Et on continue. Ça, je vais faire le complexe de recherche. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, objet, miaou, objet qui brille, et un conflit, tac, Hey, that's mine. c'est à moi. Et je dois re-récupérer la carte, allez-y. Ah, parfait. Il est rentré dans la salle de recherche. Hop. Hop là, comme celle-là, il s'est fermé. Il pourra pas s'échapper. Sur de là, je sais que tu es là. Hop, dans le piège. Et hop, les consognatus, belle mâchoire. Ah donc c'est exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire que ce petit animal était très nuisible vu qu'il ne faisait que de voler les objets au bidas et autres. Donc point commun avec corbeaux, bon pas les corbeaux mais plus les pies. Hop, saleté, dégage.
Vous allez vous calmer, vous? Objet guérissant. Team Medikit. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Couchez les bêtes. On a dit. Laboratoire de précision. Un boss. Oh. Bah. Ça paraît bizarre, des mecs dans des cuves. Ils sont pas sérieux. Enfin, des flaques de liquide sur la sauce, sûrement à cause du gars qui s'est enroulé tout autour. La batterie de démarrage, c'est assez cool. Il ne sera plus qu'à retourner au patrouilleur. M'en fous. Aujourd'hui, nous a apporté le corps d'un autre adolescent qui n'est pas citoyen d'Edward City. Ça vient d'une autre époque. Nous avons été attaqués par des jeunes de 17-18 ans. Pas réussi à communiquer avec nous avons décidé aujourd'hui de retirer un des corps du liquide de conservation. Nous voulons en savoir plus sur le rapport de l'autopsie sera envoyé au colonel Maison. Complexe de Trinergie. D'accord. Donc en gros, ce sont des mecs. D'accord. Ok, donc eux aussi ils ont trouvé qu'il y avait des jeunes de 17-18 ans qui les attaquaient, ils savent pas pourquoi. Ok. Oh, dégage. C'est la source d'énergie. C'est bien ce qui me semblait. Tac. De recherche. Un tour. Help! Je sais plus où j'en suis. Hop, carte. Carte. Ok, d'accord. J'ai fait un tour pour rien. Ça, c'est parfait. Là on est d'accord, je suis bout du couloir en haut. Si je commence à me perdre aussi, ça va pas le faire. Bon, alors. Donc là, la porte est directe à droite. Parfait. Allez, lève-toi.
Tac. Couché, je t'ai dit. Meilleur combo 6. Je suis déçu là. Passage vers le complexe de recherche, blablabla. Et on... Oh oh. Bon, j'ai gagné ça. Carte. Je suis là, faut que je retourne. Complètement à droite là-bas, ok. Je pense que je vais faire une ellipse pour retourner jusqu'au patrouilleur et puis je vous retrouve là-bas. Allez, à de suite. Et donc, chose promise, hop, je me suis trompé de touche. Donc comme vous le voyez, actuellement nous sommes à la zone de patrouille. Vers à proximité du patrouilleur. Et nous allons rentrer pour... donner la batterie de démarrage histoire de pouvoir avancer. Bon, j'ai pris quelques dégâts plus un objet en plus. Hop là, je sais pas si combinaison de protection. Voilà. Donc qui m'offre un petit peu, qui va me permettre d'éviter de saigner à chaque fois que je me fais attaquer. Ce qui va mettre très pratique. Alors, où la porte? Elle est là, la porte. Et donc, voilà, au poste de pilotage. Petite cinématique. Voilà. Hein? Et elle a réussi à défaire ses menottes. Tiens, qu'est-ce que t'as fait? She's gone. Yeah, I can see that. You know what else is weird? I've checked the stats on all the residents and soldiers, but I couldn't find any profile fitting her description. It's like she doesn't exist. C'est exactement ce que j'ai vu au centre de recherche. Well, I was thinking, maybe she's not one of the survivors at all. What if those helmet people are from a completely different time than ours? What? Never mind. We found parts that might help fix the ship. But what matters now is we still haven't found any survivors or helpful data, so we must move on and search elsewhere. This control panel is programmed to search for the areas where we can dock. Use it. Right. All right. Regina a pris la batterie de démarrage et donc mise à jour, voilà, donc maintenant que le patrouilleur est réparé, allez fouiller les autres zones et explorer. Et donc, bah, on fera ça à la prochaine session, j'ai envie de dire. Je vais me prendre des chargeurs, je sens. Ouais. Voilà,
comme ça on va être tranquille pendant un petit moment. Là c'est bon. Ok, ils sont... Je vais me prendre deux. Mais non, je peux même pas m'en prendre. Et... Donc là il me restera juste ça à faire et ça me permettra d'avoir plus de combos. Et donc, petite sauvegarde de la partie. Voilà. Et donc, on se retrouve un peu plus tard pour la prochaine partie où on devra justement excusez-moi, piloter ce patrouilleur pour explorer les zones qu'on n'a pas encore explorées et essayer de trouver des survivants, qui est toujours notre but ultime. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée ou autre en fonction du moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou un commentaire dans la vidéo histoire de. Et puis je vous souhaite de passer une agréable semaine. Allez, ciao ciao, bye.